Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette avec de la pâte feuilletée, du thon et du boursin. Cette recette est une pépite la famille. Je vais émietter du thon que j'avais au préalable égoutté. C'est du thon naturel. Je viens rajouter du boursin, c'est du fromage à l'ail et fine herbe. Pas besoin de rajouter d'autres ingrédients. Le fromage seul suffit. Je vais ensuite découper ma pâte en quatre parts, en sachant que la solution que j'ai faite au préalable, vous pouvez la disposer sur 8 parts. Vous aurez besoin de la sauce tomate, la mienne elle est faite maison. Vous la répartissez bien. Et vous venez déposer de la mozzarella ou du fromage de votre choix. Et je vais déposer une cuillère du mélange thon boursin. Et par-dessus, je rajoute un peu du fromage. Je referme mon enveloppe. Vous y allez tout doucement pour ne pas craquer la pâte. Et voilà. Donc, j'en ai fait avec la sauce tomate du fromage. Mais également sans sauce tomate, comme c'est le cas sur cette image. Là, c'est sans sauce tomate, sans fromage. Et pour finir, avec fromage et sans sauce tomate pour celle ou celui qui ne mange pas de la sauce ou du fromage. Vous aurez besoin du jaune d'œuf avec un peu de lait. Vous allez mélanger pour badigeonner afin d'obtenir une meilleure coloration. Je vais ensuite enfourner pendant 30 minutes à 180 degrés. Une recette que vous pouvez reproduire les week-ends, un apéro, mais moi je le fais, je le réalise presque tout le temps quand je n'ai pas vraiment envie de faire une grande cuisine. Celle-là, elle est simple, rapide. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la famille, likez la vidéo, encouragez-moi, likez, partagez avec vos proches. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner. La famille, reproduisez et revenez en commentaire. Cette recette, elle est succulente. Voilà, je vous dis merci. On se voit à la prochaine.